Hello les amis! Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors veuillez excuser mon maquillage particulier aujourd'hui. Oui, oui, je viens de vous tourner une vidéo sur une palette que je vais vous présenter bien sûr dans ma collection. Donc voilà, ça y est, le moment est arrivé où je vous montre ma collection de palettes. Alors je suis un peu honteuse d'avance. Ouais, il y en a partout ici autour de moi. Je sais, je suis un peu honteuse, j'en ai énormément. Voilà, je tiens juste à dire que c'est pas pour me la péter, pour montrer l'étendue de ce que j'ai, pas du tout. On m'a demandé plusieurs fois de faire cette vidéo, donc voilà, je le fais. Voilà, il faut savoir que je suis maquilleuse hein, dans la vie de tous les jours. Je travaille dans un magasin qui vend beaucoup de maquillage aussi. Donc voilà, ça excuse un petit peu pourquoi j'en ai autant. Voilà, je vais commencer tout de suite parce que sinon on va en avoir pour 50 ans. C'est pas le but. Donc je vais commencer à vous montrer mes palettes de chez Makeup Revolution parce que je les ai là sous les yeux. Donc c'est parti. Alors la première, du coup, je sais pas son nom, mais c'est celle-ci, une palette du coup toute pailletée. Je sais plus quelle collection c'était, je l'ai eu l'année dernière celle-ci, Makeup collection de Noël, quelque chose comme ça, il me semble. Donc elle est très jolie, il y en a plusieurs et c'est que des paillettes compressées. Voilà, donc c'est celle-ci. Je vous cache mon petit gizmo derrière. Ouhou ! Je vais peut-être faire comme ça. Voilà, donc paillettes compressées, très 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 jolie celle-ci. À petit prix, alors j'ai plus les prix comme ça en tête. Je vous mettrai, je pense ici, le prix de chaque. Mais dans tous les cas, ça va me demander beaucoup de boulot, mais je vais vous mettre la liste de toutes les palettes que j'ai ici et que je vous ai présentées en barre d'infos. Comme ça au moins si elles vous plaisent, nous les aurons quoi, enfin vous pourrez les recommander facilement. Ensuite, alors ça c'en est une que j'ai acheté l'année dernière aussi, il n'y a pas très longtemps en soi, c'est celle en collab avec Alexis Stone, donc celle-ci elle est très jolie, Instinct Palette, je vous montre l'intérieur, elle est assez particulière, là voilà, du coup vous avez les tonalités, les rouges, les violets, les bleus, les verts et les jaunes. Voilà, globalement. Donc là, c'est que des mats. Et bizarrement, je ne me suis pas pris l'autre qui va avec. Du coup, c'était une petite avec 6 fards, je crois. Des toppers qui vont par-dessus. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas prise. Je crois que je n'avais pas compris sur le coup que c'était des toppers. Bref, c'est pas grave. Dans tous les cas, celle-ci, je ne l'ai pas. Ensuite, on va continuer. Donc, je vais en avoir une ici. C'est la Tamie X. Donc celle-ci trop belle, la Tropical Carnival, elle est magnifique celle-ci, je l'ai déjà utilisée plusieurs fois, elle est vraiment très très belle, je suis trop contente, j'ai presque envie d'enlever ma frange en fait, pour que vous puissiez voir un petit peu mon make-up, je pense qu'on va se la jouer comme ça, même moi elle est un peu longue, il va falloir que je la coupe, je pense à m'en aller bosser, bref, donc c'est celle-ci, très 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 jolie, les couleurs hyper flashy, hein. Voilà, tout le monde connaît, voilà, je vais essayer d'aller un peu vite parce que sinon on n'est pas rendu les copains. Ensuite je vais avoir celle-ci que j'ai eu mon anniversaire, la Révolution X Pride. Donc celle-ci c'est que des fards gras, vous voyez, c'est que du fard gras. Donc celle-ci je l'ai utilisée beaucoup pour Halloween, des choses comme ça, pour des make-up un petit peu plus artistiques on va dire. Elle est vraiment très sympa, très très jolie à avoir dans la collection. Ensuite je vais avoir celle-ci, elle est trop mignonne, c'est la Foil Frenzy. Donc là on a que des fards un petit peu foil hein, comme son nom l'indique. Un peu foil irisé, comme ça, très crémeux. Elle est vraiment très très belle. Je l'aime beaucoup celle-ci. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée, mais je l'adore. Donc je vais faire ça de ce pas. Je pense que je vais la reprendre rapidement. Celle-ci que j'adore, c'est la Reloaded Iconic Division. Donc c'est un petit peu le dupe de la subculture. Un peu, hein. La subculture, c'est quand même un bijou de la nature. Que je n'ai pas d'ailleurs. Mais voilà, celle-ci, très très jolie. Pour celles qui n'ont pas un gros budget, franchement... Je pense que ça peut valoir le coup. Ensuite, je vous ai relevé un peu les amis parce que là ça a commencé à être un peu bas. La Sophie X. Donc celle-ci elle est vachement sympa. Pareil, des petites couleurs toutes jolies. J'ai de la buée sur mes palettes, c'est trop bizarre. Voilà, celle-ci très très mignonne, très jolie. Ça fait un petit moment que je l'ai. Je l'avais eu dans un swap que j'avais fait avec une copine. J'adore celle-ci. Valeur sentimentale. Ensuite, je vais voir celle-ci. Je trouve le packaging abominable. C'est la Integrity. Zèbre, je la trouve horrible. Je dois être honnête avec vous, je la trouve dégueulasse. Mais l'intérieur n'est pas dégueulasse. L'intérieur, oh mamma mia, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, l'intérieur, non mais s'il vous plaît quoi. Je vais garder cette feuille, je ne sais pas trop pourquoi. Tadam!
avez vu? Ta-da-da-da. Trop beau, trop beau. Elle est belle. Donc celle-ci, pareil, il va falloir que je l'utilise un peu plus parce que... parce qu'elle est belle. Je pense qu'il faut que je fasse, comme fait Tortue Beauty, tu te reconnaîtras si tu regardes la vidéo, les roulements, comme font Laetitia aussi de la chaîne Les Coquetteries de Laetitia, elles font des roulements en fait de palettes et d'autres produits d'ailleurs de make-up en général tous les mois, et je trouve que c'est bien pour pouvoir utiliser un peu plus ces palettes oubliées, parce que oui, on est toutes attirées par les nouveautés, donc je devrais peut-être essayer de faire ça. Ça pourrait être bien pour mes petites palettes qu'elles ne meurent pas à l'abandon. Ensuite j'ai celle-ci, la Forever Flawless, donc c'est la dernière que j'ai eue de la marque, que je me suis commandée, elle est superbe. J'ai fait mon maquillage du jour de l'an avec celle-ci au travail, tout le monde m'a dit waouh, qu'est-ce que tu utilises? Et ben voilà, c'était ça, elle est superbe, vous voyez, très très jolie celle-ci, et des prix dérisoires, je crois qu'on est à 11,99€, vous imaginez, 11,99€ pour une palette, franchement. Dans la même collection, j'ai la Constellation, qui est trop belle aussi, dans les teintes un petit peu rose violacé, trop belle. Elle est vraiment magnifique celle-ci aussi. Voilà. Je fais vite hein, les copains parce que sinon, je n'ai pas rendu. Et celle-ci, du coup, c'est la Utopia. Elle est vraiment très sympa aussi celle-là. Voilà. Je vous montre le packaging aussi parce que ça peut vous aider. Voilà. Très belle aussi celle-là. J'ai le... Ensuite, une énorme que j'avais eu mon anniversaire aussi. La Maxi Reloaded. Comme ça. Donc plein de couleurs, j'en ai une un peu similaire de chez NYX. Celle-ci, franchement, si vous voulez débuter dans le make-up, que vous n'avez pas beaucoup de couleurs, etc., ben voilà. Voilà, le compromis est fait. Elle coûte 24,90€. Et il y a tout, il y a tout. Moi, quand je fais des make-up, des fois, artistiques ou ailleurs, etc., sur des clients, ben celle-ci, je l'emmène parce qu'il y a tout. Il y a tout, franchement. Et puis, je peux la proposer aussi. Quand les gens veulent acheter, etc., c'est le bon compromis. Et là, ma dernière, de la marque. La Patricia Bright, elle est trop belle celle-ci, la Rich in Color, elle est chiante à ouvrir. Voilà. On va y arriver, par contre je suis tiffée comme l'as de pique, c'est pas grave. Là voilà, elle est trop belle celle-ci, oh, vous voyez mes palettes en dessous, la poulie. Voilà, elle est trop belle, je l'adore, très très belle celle-ci, un bijou. Ensuite, du coup, on va continuer avec les Huda Beauty. Alors, Huda Beauty, j'en ai pas 50, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Donc, j'ai la toute première, la Rose Gold palette, qui est très sympa, hein, celle-ci. Elle est sale, pardon. Mais là, voilà, elle est toute crado, parce que je l'ai énormément utilisée, je l'ai adorée, hein, forcément. Donc, la Rose Gold, je me suis pas acheté la Reloaded, parce que, ben, comme j'ai celle-ci... Je trouve que ça sert pas à grand chose, même si je dois avouer que les textures sont différentes. J'avais pas envie de changer plus que ça. Ensuite, j'ai la Desert Dusk, que tout le monde connaît. Hein. Je les ouvre vite fait pour vous montrer. Mais voilà, tout le monde les connaît. Hein. Desert Dusk, dans les teintes un petit peu plus violettes. Très jolie. Et ensuite, la dernière, enfin la dernière des grandes, la Mercury Retrograde, celle-ci. Voilà, qui est très jolie aussi celle-là. Franchement, les couleurs sont hyper sympas. Ça me donne envie de la réutiliser celle-là. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai les petites. Donc, j'ai eu la Améthyste dans les teintes violettes. Donc, je vous les ouvre même si vous les connaissez. Hein. Voilà, la violette. Très sympa. J'ai aussi... si j'arrive à refermer, ça serait mieux. J'ai aussi la Saphir. Donc, la bleue. Celle-ci. Très jolie, des belles teintes bleues, comme on les aime. Moi qui suis méga fan des teintes bleues, franchement, là, je pense que j'ai été servie. Et la Ruby, la rouge. Alors celle-ci, j'étais un poil déçue parce que il y a des teintes rouges, notamment celui-ci, là. Et il fait pas rouge sur la paupière. J'étais un petit peu déçue. Mais bon, c'est pas grave. Je lui pardonne. Ensuite, je vais vous faire des palettes un petit peu plus random, on va dire. Des palettes que j'ai dans ma collection, mais j'en ai une ou deux par-ci par-là. Donc un bijou, celle-ci, ma P. Louise, la Secret Sinner. Elle est vraiment trop belle. Packaging de la mort. Énorme aussi. Donc voilà, celle-ci, je l'adore, elle est vraiment trop belle. Elle m'avait fait un effet de dingue quand je l'avais vue. Voilà, ça se passe de commentaires. Hein. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Elle est pigmentée de la mort. Celle-ci, j'adore.
Ensuite, je vais avoir ici mes Be Perfect. Alors, en fait, celle-ci, c'est la classique, hein, la Carnival Palette. Donc, je me l'étais achetée. Je sais plus trop quand. Bref, avant mon anniversaire, je me la suis achetée, celle-ci. J'avais craqué parce qu'elle était en promo, je crois, sur Beauty Bay. Et entre-temps, ma mère m'a acheté la grande, la XL, pour mon anniversaire. Sans savoir que moi, j'avais acheté l'autre avant. Alors c'est pas grave parce que forcément je me la serais prise aussi, celle-ci. Elle est juste sublime en tout point de vue. Voilà. Ça se passe de commentaires, hein, n'est-ce pas? Elle est trop belle. Elle est superbe celle-ci, franchement. Je regrette tellement pas de l'avoir. Merci maman. Ensuite du coup je vais vous faire les Urban Decay. Alors Urban Decay, il m'en reste plus que deux. Voilà, je vais être honnête avec vous. J'ai vendu toutes mes Naked. Parce que je trouve qu'elles sont obsolètes en fait aujourd'hui. J'ai tellement de teintes similaires à ça que ben, je les ai vendues. Mais il me reste la Moondust, celle-ci, que je trouve superbe. Parce qu'on a des super jolies teintes toutes pailletées. On a des fards tout pailletés, elle vient rajouter un topper par-dessus les autres. Je trouve ça très bien. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Et j'ai la Born to Run, celle-ci. Que tout le monde connaît, hein, bien sûr. Avec des teintes super sympas, que j'ai beaucoup utilisées aussi. Très jolie et ils se sont vachement améliorés sur la qualité des fards avec celle-ci. Franchement, moi j'ai été très satisfaite. Ensuite, nous avons les Colourpop. Alors Colourpop, j'en ai plusieurs que j'adore. Je vais avoir la Golden State of Mind, celle-ci. On est un petit peu plus nude, mais toutes pailletées. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous des fards un peu crémeux pailletés. Très jolie aussi celle-ci. Franchement, très belle palette. J'ai adoré l'utiliser. Là, je m'étais fait un petit kiff, un vrai petit kiff pour les couleurs, pas forcément pour packaging. Voilà, My Little Pony. Une mignon packaging, mais moi, je suis pas fan de My Little Pony. Mais en revanche, les couleurs, je les ai kiffées, vraiment. Très belles couleurs. Vous voyez? Très jolie, on a des couleurs hyper sympas. Ensuite, je m'étais pris celle-ci, la Femme Rosa. Alors, celle-ci, elle est trop belle. Je l'adore. On a des... Oh là, celle-ci, elle est dégueulasse. Voilà. La Femme Rosa, des teintes un petit peu nudes, violette, rose, etc. Assez glamour, chic, on va dire. Très mignonne. Ensuite, j'ai celle-ci que je voulais vraiment. I Think I Love You. Très belle, celle-ci. Des teintes plus neutres. Vraiment plus neutres. Très mignonne aussi. Et là, Element of Surprise. Celle-ci, j'adore le packaging. Je la trouve trop mignonne. Et les couleurs sont canon. Voilà. Très jolie. Ensuite, je vais vous montrer mes Violet Voss. Alors, j'en ai deux. Je vais avoir la Hashtag, celle-ci, qui est assez connue. Hein. Je me l'ai achetée sur Beauty Bay, je crois. Il y a un petit moment, dans les teintes un petit peu violette, orange. Très belle aussi, celle-là. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Et celle-ci, oulala, qui a fait le tour du monde pour le retrouver. Parce que c'est ma maman qui me l'a achetée. La Flamingo, les copains. Regardez-moi comme elle est mignonne. Et l'intérieur. L'intérieur, il envoie du papier. Hein. Voilà. Tout pastel. On a des couleurs un peu flashy, très estivales. Je l'adore celle-ci. Franchement, j'étais trop contente de l'avoir. Donc, trop bien. Ensuite, je vous montre alors la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Vous allez voir le tuto. Je pense que ça sortira peut-être avant cette vidéo-là. C'est une de chez Peachy Queen, c'est la Never Trust the Living. Alors celle-ci, j'aime bien faire comme ça. Ça fait le col. Bref, Never Trust the Living. Alors celle-ci, énorme coup de cœur de la mort qui tue. Voilà, les couleurs, truc de la mort qui tue. Voilà, elle est trop belle. Vraiment, j'adore. Et le packaging, il est incroyable. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, Peachy Queen, excellente marque, vegan, cruelty free, etc. Donc, laissez-vous tenter. Voilà. Ensuite, nous allons faire les Too Faced qui sont ici devant moi. Donc, j'en ai quelques-unes. La première, du coup, c'est celle en collaboration avec Niki Tutorial. Alors, celle-ci, je l'avais achetée il y a longtemps. Oh, franchement, elle sentait le gâteau. Elle est assez mignonne. Donc, vous avez des fards à paupières, des blushs et highlighter contour en bas. Assez sympa, celle-ci, mais j'avoue que je l'utilise plus beaucoup. Mais je sais pas, je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien. Elle est sympa, donc je la garde. Ensuite, je vais avoir celle-ci, Life is a Festival. Elle est très mignonne aussi, celle-là. Les petites couleurs un petit peu plus holographiques, là, ça a commencé. D'ailleurs, le packaging aussi. Hein. Je vous fais mal aux yeux, hein. Je vous fais mal aux yeux. Hein. Voilà, merci Too Faced.
Ensuite, je vais avoir la Pretty Rich, celle-ci. Là, il y a des belles couleurs dans celle-ci. Vraiment belles. Des belles paillettes compressées. Hyper sympa. On aime. On aime, on adore. Enfin, moi j'aime. Voilà. Ensuite, nous avons la Gingerbread Light Spice. Celle-ci, donc c'est la première qui est sortie. Je ne me suis pas pris la seconde parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Voilà, des sous-tons très chauds. Des teintes chaudes, etc. Des roses, des violines, etc. Marronnées. Et elle sent bon. Elle sent très bon. Ensuite, j'ai la Chocolate Gold, celle-ci. Pareil, tout le monde la connaît. Tout le monde l'a, je pense. Enfin, beaucoup. Très jolie couleur. Je vous cache ça, ça va être mieux. Très jolie couleur. Voilà. Ensuite, nous allons faire les Sample Beauty. Alors, j'en ai trois. Donc, j'ai celle-ci. C'est la Paradigm Shift. Non, je vous dis une connerie, la hydrographique. La paradigme, elle est grosse. La voici. Oh, comme elle est belle. Moi qui suis dingue des teintes bleues, ben voilà, j'ai été servie. Celle-ci, c'est ma maman qui me l'a offerte à Noël. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Je l'ai utilisée qu'une seule fois pour le moment. Oui, j'ai un petit peu honte, mais j'en ai beaucoup à tester et j'avais pas été déçue. De toute façon, les fards Sample Beauty, ils sont superbes. Franchement, on a une belle qualité. Ils sont très peu poudreux aussi. Donc, ça, ça peut être sympa pour celles qui n'aiment pas du tout. La paradigme, elle est là, paradigme shift. Donc celle-ci, pareil, je la voulais grave, je l'avais à mon anniversaire. Elle est vraiment très belle. Très très jolie teinte. Voilà. On a quasiment que des mattes. Non, il y a quand même un petit peu d'irisé, mais pas beaucoup. Voilà. Et du coup, la Equalizer, alors celle-là. Oh my god, je suis trop contente, je l'ai eu à Noël. Je la trouve trop 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 belle. Elle a des teintes de la mort. Voilà. Vous avez vu ça? Trop belle. Celle-ci, vraiment, j'adore. Je l'ai déjà utilisée, elle est incroyable. Et je me languis de la réutiliser parce que franchement, on fait des très beaux make-up avec. Ensuite, je vais vous faire les Kat Von D. Alors, elles sont là en pile, je les prends dans le désordre, on s'en fiche. Hein. Donc, la palette anniversaire de Kat Von D, du coup, pour ses 10 ans. J'adore le packaging, ça représente vraiment très très bien sa marque. Voilà les couleurs. Alors celle-ci, je m'étais jetée dessus. Je l'avais eu à Londres quand j'y étais allée à l'IMAX avec ma mère. Et ils l'avaient pu dans plusieurs magasins. J'ai fait plusieurs magasins. À Londres, ils n'ont pas de Sephora ou quoi que ce soit. Donc je l'ai trouvée dans un Debenhams. Et celle-ci, c'est le troisième que j'avais fait, je crois. Debenhams. Et là, je la vois, je me dis Alléluia. Voilà, celle-ci, je l'ai beaucoup aimée et beaucoup utilisée. Une plus vieille, celle-ci. Oh yo yo, la Monarch Eyeshadow. Un moment celle-ci, mais elle est sympa, franchement elle est mignonne dans les teintes un petit peu orangées. C'était dans les débuts de Kat Von D, moi je me suis ruée dessus, même si aujourd'hui je l'utilise plus, franchement je l'ai mis bien. Ensuite, une pareil que je me suis arrachée, mais violent, la Pastel Got. Alors celle-ci, je l'adore toujours autant parce qu'on a des couleurs pastel qu'on trouve pas beaucoup ces derniers temps. Donc voilà, celle-ci, je l'ai, je la garde, j'en ai chié pour l'avoir et je la garderai tout le temps. En plus, le packaging il est trop mignon donc. Donc celle-ci, je l'adore vraiment beaucoup. Ensuite, j'en ai une édition limitée, la Serpentina, que j'ai peu utilisée pour être honnête avec vous. Mais elle est très belle. En plus, là, vous avez des petits fards, Oui, des pigments, en fait, voilà, de fards. Donc voilà, très jolie palette avec un très beau rouge ici. Voilà. Ensuite, je vais avoir, bon, bah, celle-ci, elle est connue, c'est ma préférée, je pense, de la marque. La Saint & Sinner. La cathédrale, moi c'est ma préférée je pense, vraiment. Elle a beaucoup fait parler d'elle parce que les gens trouvent qu'elle était très mal organisée. Moi je trouve pas, perso. J'adore les couleurs, j'adore les teintes. Je me suis éclatée de fou avec celle-ci, donc je la regrette vraiment pas. Je comprends pas pourquoi les gens l'ont critiquée. Ensuite j'ai la Fétiche. Alors celle-ci elle est ultra chiante à ranger, mais je l'adore. Je l'adore aussi, les couleurs sont trop belles. Voilà, des belles teintes. Et belle pigmentation aussi pour Kat Von D, pour ceux qui aiment, mais qui n'ont pas tenté encore de l'utiliser, vraiment trop bien. Ensuite, j'ai la Chrysalis, ici. Oh, pareil, elle est vieille aussi, celle-là, bon sang. Que j'avais eu en Espagne, je m'en souviens, dans un Sephora à Barcelone. Trop belle aussi, celle-là, les belles couleurs. C'est bizarre de revoir ces vieilles palettes, ça fait du bien quand même, de temps à autre. Et la Lolita Por Vida, celle-ci qui est très jolie. Pourquoi je les garde les bidules, c'est casse-pied. Voilà, avec des teintes foil ici, très jolies, très très belles.
Ensuite, on va faire les Anastasia. Alors, j'en ai pas 50 000, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je vous montre, bref. Celle-ci, la Moderne Renaissance, qui est sortie en premier, que j'ai beaucoup aimée. Je l'ai beaucoup utilisée. J'ai encore le pinceau dedans. Je l'aime beaucoup, celle-ci, teinte chaude, même si aujourd'hui, je ne l'utilise plus trop. Voilà. Ensuite, j'ai la Soft Glam. Celle-ci que j'utilise beaucoup pour mes mariés. Quand je fais les mariés, les mariages. Celle-ci, des teintes très sobres, très basiques, qui vont avec tout. Je ne sais pas comment se maquiller, celle-ci, je trouve qu'elle est géniale. Ensuite, la Riviera, que tout le monde connaît. Forcément, il y a de la couleur, donc c'était un petit peu logique. Voilà, et puis vu la qualité des fards Anastasia, voilà. Il me manque dans ma collection la Subculture, que j'ai aimée sur le tard, et que je regrette amèrement. Je l'ai là, pour être honnête. Je la trouve très belle, je pense que je me la recommanderai un T4. Et ma dernière de la marque, et je pense pas que ça soit la dernière, puisqu'il y en a une deuxième et une troisième qui me plaisent, la Norvina Volume 2. Alors celle-ci, c'est celle que je voulais le plus de toute la marque Anastasia, et je l'ai eu, je suis trop contente. Il y a le volume 1 qui m'intéresse beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, celle-ci. Elle est canon de la mort, franchement. Les fards sont ouf, les fards sont incroyables, on a des super jolis verts là-dedans. Moi qui aime les verts, pour ceux qui aiment les verts, franchement, elle est ouf. Elle est chère, mais elle est incroyable. Alors, je vais continuer du coup sur des palettes pareilles, où j'en ai une par-ci, par-là. Celle-ci de chez Martin Cosmetics, donc c'est la grosse chouin, voilà, la grosse chouin, oui, qui est super belle. Les couleurs sont très sympas et les textures sont très sympas. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai été agréablement surprise, franchement, j'aime beaucoup. Gaëlle a fait un très beau boulot sur celle-ci, j'aime bien, j'aime bien. Ensuite, je vais avoir celle-ci, que j'adore, la Urban Bible de chez Sosu. Elle est magnifique celle-ci, franchement. Pareil, c'est une que j'utilise beaucoup en ce moment. Et les couleurs, voilà, m'ont fait chavirer. Chavirer le bord. Le bord, non pas du tout. M'ont fait chavirer le cœur. Voilà, très très belle. Très pigmentée. Donc, je recommande vivement. Ensuite, je vais avoir mes palettes de chez Beauty Bay. Alors, en fait, Beauty Bay, j'ai des palettes pour le teint. Mais là, je vous en montre aucune pour le teint parce que c'est pas le but. Là, on va faire que celle pour les yeux. J'ai connu ça en fait parce que c'est ma soeur Clara, si tu te reconnais, que tu regardes, c'est Clara qui m'a offert une des petites palettes de chez Beauty Bay, celle-ci, qui est vraiment très très jolie, et j'ai beaucoup aimé la texture des fards. Ils se travaillent très bien, ils sont très pigmentés, donc j'ai eu envie de me pencher un peu plus sur la marque. Et évidemment la M. Mitchell, alors celle-ci, c'est obligé que je l'ai, elle est trop bien. Elle est trop bien, elle est en deux parties. Oh yeah, doucement les palettes devant. Les teintes, voilà, plutôt jaune, rose, orangé, rouge. Et de l'autre côté, nous avons, tadam, les bleus, verts, violets, marronnés, ici. Elle est trop sympa parce qu'en plus, ça se présente comme un bouquin et vous avez le miroir amovible. Donc ça, c'est génial. Et celle-ci, c'est un bijou, elle est trop pigmentée, elle est trop bien. Elle est trop... Ensuite, je vais avoir une palette, du coup, que j'ai ici de chez Dior Backstage, dont j'en ai qu'une. Je m'ai été faite offrir au travail. La Amber Neutral, donc c'est la numéro 3, je crois, de la marque. Elle est jolie, franchement, il y a des petites couleurs. Je l'ai eu en action aussi au travail parce que je l'utilise. Elle est très sympa. Après, moi j'ai des fards que je préfère aussi dans ma collection, donc celle-ci je l'utilise pas des masses, mais elle est mignonne, elle est bien. Ensuite, j'en ai une de chez Stargazer. Alors, ça, c'est une marque du coup que j'ai achetée à Londres. Alors vous m'excuserez, voilà, j'ai un fard ici qui s'est pété pendant le voyage, mais on a que des couleurs hyper néon. Donc celle-ci en topper par-dessus des fards jaunes ou orange, si vous voulez rajouter un côté beaucoup plus lumineux, elle est très bien. En plus ça coûte 3 francs 6 sous, donc voilà, franchement vous pouvez y aller, no problemo quoi. Ensuite de chez NYX, alors celle-ci c'est une palette, je l'ai achetée il y a très longtemps, j'étais dans la folie des fards bleus, donc je me suis fait ma propre palette. Et j'ai pris des fards bleus, gris, que je me suis pris moi. Voilà, je me la suis faite et franchement, je l'ai beaucoup aimée. Je l'ai beaucoup utilisée, elle est vraiment sympa. Hein. Elle est sympa, j'avais du goût quand même à l'époque. On va voir maintenant, je l'espère. Ensuite, de chez NYX, j'ai encore celle-ci, la Love You So Mochi, qu'on m'a offert pour mon départ de Strasbourg. Trop mignonne, je suis trop contente, celle-ci, c'est mon petit Philippe. Philippe,
Voilà, la Love You Song Mushi, elle est trop mignonne celle-ci. J'adore, elle est très belle. Jolie texture aussi à travailler. Je vais avoir la Modern Dreamer, pareil, celle-ci trop belle. J'adore, que je me suis fait offrir aussi. Hop, celle-ci, elle est vraiment très très belle. Ça ressemble un peu à la Make Up Revolution que je vous ai montré avant. C'est tout à fait le même principe. Mais avec les fards NYX qui sont de très bons fards aussi. Celle-ci. Et ensuite, j'ai la dernière, la Off Tropic, la orange. Parce qu'il y en avait deux. Et moi, j'ai pris celle-ci. Je la trouve très belle. Très très jolie. Le vert, là, il est très beau. Et non, je vous dis une connerie, j'en ai une minuscule que j'ai failli oublier. C'est la Glitter Goals. Que des petites paillettes. Très mignonne aussi celle-ci. Des belles paillettes avec des beaux reflets. Très beau. Celle-ci, du coup, de chez NYX. Très mignonne. Des jolis petits fards pailletés. Très beau. Ensuite, nous allons avoir Lime Crime. Alors, Lime Crime, eh ben ouais, je n'en ai qu'une. Aussi bizarre que cela puisse paraître. Les Vénus me font envie, mais j'hésite. Bizarrement, j'hésite. Alors que celle-ci, ben, je la trouve trop belle. C'est ma maman qui me l'a achetée. Surprise, et elle est trop belle, vous voyez ça, elle est super mignonne, oh, et les fards travaillent très bien, donc je pense que grâce à ma maman, ben celle-ci elle me fait quand même bien envie, donc celle-ci m'a beaucoup plu, donc les autres me font quand même envie au vu de la texture des fards, quoi. Ensuite je vais avoir, alors ça c'est pareil, c'est marrant, SB Makeup, donc ça c'est la marque de mon école sur laquelle j'ai fait mes études de maquillage. Donc voilà, Stéphanie Bernard, des fards, là je les ai rangés en fait, les fards n'étaient pas rangés comme ça, mais c'est des petits fards aimantés que vous mettez dans la palette. Donc là j'ai rangé mes fards en teinte un peu chaude, de violette, orange, etc. Celle-ci, mes teintes neutres. Pareil, donc les fards sont sympas parce que vous pouvez les mouiller aussi, très sympa. Et là on a les fards un peu plus bleu, vert, kaki, etc. Sympa celle-ci, j'ai fait mes années d'école avec ça, c'était marrant. C'est marrant. Ensuite je vais avoir mes Zoeva qui sont ici. Donc pareil, les Zoeva, j'en ai pas beaucoup. J'en ai 3. Elle est où ma troisième? Elle est en dessous. Voilà, j'en ai 3. Donc je vais avoir la Element non, la Spice of Life. Celle-ci. Donc du coup, des teintes très, très chaudes, bien pailletées. Très jolie celle-ci. J'utilise moins Zoeva aussi, c'est bête, parce qu'elles sont belles, franchement, elles sont mignonnes. Celle-ci, j'avais craqué sur le packaging, la Opulence, très très belle. Et les couleurs sont sympas. Là, j'avais adoré le bordeaux et le bleu. Vraiment, c'est des couleurs que j'avais beaucoup aimées. Ah, et je suis très contente, celle-ci, de l'avoir. Faudra que je la réutilise, parce que j'ai pas du tout envie de m'en séparer, en fait. Ensuite, j'ai celle-ci, la Rose Golden, qu'on m'avait offert. Elle est mignonne aussi, celle-là. Beaucoup plus neutre. Je suis moins dans ma période neutre en ce moment, c'est peut-être pour ça. Mais elle est belle. Elle est vraiment jolie. Ensuite, alors elle est toute seule. Mais je pense que la collection s'agrandira. Ma Gold Palette de chez Natasha Denona. Donc celle-ci, je l'adore vraiment énormément. Les fards sont très beaux. Je vous ai fait une vidéo tuto là-dessus. Ils sont très beaux. Là, comme ça, ça se ressemble. Mais sur les paupières, je vous garantis que ça ne se ressemble pas. Alors elle est chère, hein. On est d'accord. Elle est très très chère. Mais celui-là, là. Regardez-moi ça, quoi. Trop beau. Moi, j'adore. J'en peux plus. J'adore cette palette. Elle est sublime. Voilà. Elle est magnifique. Et je pense me laisser tenter peut-être sur une autre. Malgré le prix, hein, qui fait un peu peur. Ensuite, pareil, la seule et unique de cette marque que j'ai, mais pas la dernière, c'est Certify. Alors, c'est la Tropical Wonders palette. Et celle-ci, elle est trop belle. Je voulais tester la marque, et ben voilà, quoi de mieux pour tester la marque que des fards colorés. Voilà, vous me connaissez, hein, voilà. Celle-ci, elle est canon d'abord, j'aime beaucoup. Et je pense, après avoir testé cette palette, que je vais avoir envie d'en prendre d'autres, quoi. Forcément. Voilà, voilà. Ensuite, je vais avoir une de chez MAC, alors c'est la seule que j'ai. La Art Library, donc c'est celle-ci, et je dois avouer que celle-ci, je l'avais achetée à Londres, parce que les couleurs me plaisaient grave, les couleurs sont très belles, mais elle m'a déçue, la dernière fois que je l'ai utilisée, elle m'a déçue, ça fait un petit moment, je pense que je vais la garder pour lui donner une autre chance, mais ouais, je sais pas, les couleurs sont belles, hein. Franchement, elles font envie de la mort.
Je vais être un peu déçue, mais je la garde. Je vais lui donner une autre chance. Je pense que je l'utiliserai un de ces quatre là, essayer de voir avant de la redonner à quelqu'un, quoi, je pense. Parce que. Elle me plaît sans me plaire. Bizarre. Bref. Ensuite, je vais avoir celle-ci. Oh, je l'aime trop celle-là. Lunatic Cosmetic Lab. On dirait un cercueil. Elle est trop belle. Et l'intérieur aussi est trop beau. Vous voyez ? On a un tout petit miroir en forme de chauve-souris, trop beau. Et les couleurs sont vachement sympas. Elle est vraiment trop belle, celle-ci, je l'avais adorée. Je l'avais eue dans un swap aussi. Je l'adore, celle-ci, j'adore. Ensuite, je vais avoir mes Pinky Rose. Alors du coup, je vais avoir la Center Stage, ici. Hop. Elle est vraiment très jolie. Ça, c'est dû à une erreur de commande que j'avais faite d'une commande groupée. Mais finalement, elle est vachement sympa. Donc, je la garde. Je la garde, elle est vraiment belle. La Exotic Peacock aussi, alors celle-ci, je l'adore, elle a été dans mes palettes préférées ces derniers temps, parce qu'elle est trop belle, depuis que je l'ai, je l'utilise beaucoup. Ouah, elle est un peu sale, mais elle est canon de la mort, des teintes bleues, des teintes vertes, des teintes néon, un peu flashy. Voilà, on l'aime, enfin, moi j'adore. Chaque fois je dis ça, c'est con. Voilà, ensuite je vais avoir une de chez Kylie Jenner, c'est la seule que j'ai en fait, la Naughty. En fait, il y en a plein que j'aime de sa marque, mais... Bah c'est chiant en fait de commander sur son site parce qu'il y a de la douane. Donc j'ai pas trop envie quoi. Et là voilà, la Naughty, elle est très belle, elle a des couleurs hyper cheloues. En fait je l'aimais sans l'aimer en la voyant et je me suis dit vas-y, tu sais quoi, tu la prends, elle est particulière, elle est bizarre. En fait j'adore, c'est comme la Subculture. La Subculture je la voulais pas parce que je me disais oh, je sais pas, elle est bizarre et tout. En fait maintenant je la regrette à fond quoi, parce que les couleurs bizarres, bah moi j'adore. J'aime beaucoup. Ensuite, je vais avoir une de chez OPV et c'est la seule que j'ai, c'est la Ocean. Il y a la Yemoja que j'aime bien aussi quand même, que je me prendrais bien parce que les fards sont hyper cool à travailler. Voilà, voilà, voyez, voilà, voyez. Très jolie. Dans les teintes orangées, brunes, mordorées. J'aime beaucoup. Ensuite, on va y arriver, je vais avoir celle-ci de chez Elle Splash. Alors, je l'adore. La classique Aurore, elle est magnifique. Et le packaging, s'il vous plaît. Si vous aimez un peu tout ce qui est morbide et tout, elle est canon. Je vous montre le derrière parce qu'il vaut le détour. Elle est trop belle. Et l'intérieur. Voilà. Voilà, vous faites des make-up de ouf avec celle-ci aussi. Trop belle. Elle était faite pour moi. Moi qui aime bien ce genre de... Les packaging un peu zombie, plein de couleurs, ben voilà. Elle était faite pour moi. Elle m'a appelée. Ensuite, j'en ai une de chez BH Cosmetics, donc c'est la seule que j'ai, la Zodiac, que j'avais achetée au DM en Allemagne. Vachement sympa. Les fards sont très sympas, ils sont, je trouve que cette marque, elle est quand même sous-estimée vraiment beaucoup, parce que les fards sont hyper sympas, ils sont assez crémeux, pas poudreux du tout, donc elles se travaillent vraiment bien, j'ai été agréablement surprise. Ensuite, je vais avoir mes petites palettes de chez Primark. Donc la toute première que j'ai achetée, c'est la dupe de la Rose Gold de chez Huda, qui s'appelle la Rose Quartz. Donc clairement, quand on voit, c'est la Rose Gold. Hein. Les textures sont totalement différentes, mais bien. J'avais fait un make-up avec celle-ci, je voulais vous la publier. Mais voilà, Marie était un peu stupide. J'avais oublié de brancher le micro. Voilà, donc je parlais. Il n'y avait pas de son. Voilà, donc à recommencer. Je pense que je vous le referai parce que j'ai très envie de me pencher sur les palettes petit budget, donc voilà, là on est dans le thème, c'est parti, je vous les montre. Ensuite j'ai la Wild Love qui se présente comme ceci, vachement sympa, et les teintes sont belles, les teintes sont très belles, voyez, les teintes chaudes, très jolies, belle qualité aussi celle-ci, c'est pour ça que ouais, je vais vous faire ça, ça risque d'être sympa. Celle-ci c'est la dernière que j'ai achetée en y allant, ouais, il y a toujours le prix, 6€, la Sweet Dreams, très jolie. Je vais même pas enlever le paquet dessus. Allez, je vous enlève pour vous montrer, c'est quand même mieux. Bon, bah non, ça veut pas. Voilà, les couleurs avec les noms des fards. Très mignonne aussi celle-là, je vous ferai un petit tuto avec. Ensuite, j'ai la Enchanted. Enchanted. Très jolie celle-ci. Pareil, Subculture, bonjour. Voilà, avec des fards un petit peu duochrome qui sont là. Très jolie. Petit tuto à faire. Et celle-ci que je ne vais pas vous montrer puisqu'on est sur une palette de teints. C'est pas le but de la vidéo. Ensuite, bon bah je vais vous montrer mes petites perles, mes petites chouchoutes que j'ai ici.
Alors celle-ci, c'est la marque Bombshell Cosmetica avec laquelle j'ai un code promo. C'est pas beau ça? Celle-ci, elle est hyper cool, franchement, super sympa, ma petite burger palette. Donc en fait, elle s'ouvre comme ceci, vous voyez? Hyper sympa, donc là vous avez les couleurs, je vais peut-être vous montrer un peu mieux quand même, c'est plus sympa. Voilà, des très belles couleurs, un peu flashy. Et de ce côté-là, on a le miroir. Voilà, hyper sympa cette palette, j'ai adoré. Je suis honnête avec vous, la marque m'a contacté sur Instagram pour savoir si je voulais faire un petit partenariat avec eux. Donc en fait, avec mon code promo, dès que les gens commandent avec mon code promo, qui est MaryPopPink10, ça vous donne 10% sur votre commande. Moi, j'ai les recettes des ventes qui ont été effectuées en fait avec mon code promo. Alors pour le moment, on est à zéro puisque personne ne veut commander, de peur d'avoir de la douane. C'est bien dommage pour moi, mais c'est pas grave. Moi j'ai commandé, j'ai jamais eu de douane. Mais au pire du pire, les gens, il y a Chipito. Donc Chipito vous sauve la vie, vous n'avez pas de frais de douane. Bref, de la même marque, j'avais commandé aussi celle-ci, la Candylicious, qui est trop belle. Les parts sont juste gigantesques par contre. Franchement, là, vous pouvez vous maquiller toute une vie. Elle est canon de la mort, celle-ci. Très très belle. Et le kaki, là, juste en haut. Regardez comme ça vient avec le violet. Trop beau. Celle-ci, j'ai envie de la réutiliser d'ailleurs. Je me l'étais mise de côté avant de faire la vidéo pour la réutiliser, donc je ferai ça de ce pas. Voilà, ces petites marques-là, c'est des petites marques chouchou. Et là, je vous montre la prochaine. Alléluia, que j'adore. De Jessie Cosmetics. Alors, Jessie Cosmetics, je vous en avais déjà parlé, je vous ai fait une vidéo. C'est une marque que j'ai découverte sur Instagram. Le packaging des palettes, bah, littéralement appelé, vous voyez. Tête de mort mexicaine. Donc là, je me suis dit, oh my god, voyons. Et l'intérieur, bah l'intérieur, voilà, ça confirme tout quoi. Tu es pour moi, jolie palette. Je l'aime tellement celle-ci, elle est trop belle. Donc c'est la Katrina, magnifique. Ensuite nous avons la Katrina 2. Le packaging il est superbe, trop beau. J'avais fait une vidéo là-dessus au retour de l'été, je suis très bronzée sur la vidéo. C'est plus qu'aujourd'hui mais bon. Katrina 2, donc là on a des couleurs beaucoup plus sobres, plus chaudes. Mais on peut faire des trucs de fou quand même avec. Les fards sont très, très pigmentés. Ce orange là en vidéo, là il ne rend pas justice, mais il est hyper fluo, hyper flashy. Le bijou. Ensuite, je me suis commandé celle-ci. La Besties. Alors celle-ci, je crois que c'est, je sais pas, j'allais dire ma préférée de la marque, mais celle d'après, elle est belle aussi. La Bestie. Oh, les couleurs. Voilà. Néon, bonjour. Couleur, bonjour. Superbe, elle est trop belle celle-ci, j'en peux plus, je l'aime trop. Dans mes préférées celle-ci. Et la dernière, du coup, la petite dernière que j'ai commandée il n'y a pas si longtemps et que j'ai déjà utilisée parce que j'étais obligée. La Vibrant Neon. Regardez-moi ce packaging de fou. Les fards sont énormes, énormes, énormes. Et là, oh, ça me rappelle mes Julia's Place que je vais vous montrer juste après. Regardez-moi ça. Un rouge, un vrai, un jaune fluo, un vrai, un orange, un vrai. Voilà, celle-ci, un bijou. Je pense que je vous ferai peut-être un tuto avec celle-là parce que la marque est trop peu connue à mon goût. Et ça m'emmerde en fait. Parce que des marques comme ça, elles doivent être connues, c'est pas possible autrement. Elles sont vraiment trop bien. Donc j'ai envie, à mon petit public, hein, à ma petite échelle, de présenter ces palettes-là parce que... Mince quoi, elles sont ouf, donc pourquoi passer à côté? Pour des petits prix en plus, c'est bien dommage. Donc ensuite on va aller sur les Juvia. Donc les Juvia, bon bah je vais peut-être pas vous montrer celle-ci parce qu'on est sur une palette de blush. Bon je vous la montre de visu mais pas l'intérieur. Celle-ci, palette de blush, très sympa, c'est la volume 2. Ensuite j'ai la Saharan ici. Très sympa celle-ci, dans des teintes un petit peu... Oh, elle est dégueu. Voilà. Très belle, là on a des belles couleurs chaudes, trop belles. Les mattes sont très très beaux aussi dans cette marque. Ensuite, j'ai la Festival, oh, je l'adore celle-ci, elle est trop belle. Les packaging sont ouf, hein. Et on est sur du 3 fois rien en prix. Regardez-moi ça, oh elle est trop belle, j'adore. Les fards sont énormes, les pannes sont énormes, les couleurs sont folles. Celle-ci, la Warrior, elle est trop belle. Le packaging vraiment trop trop beau. Et là on est sur des couleurs beaucoup plus nudes, mais j'adore parce que les fards Juvia sont magnifiques et ceux-là c'est du beurre. On peut pas se voir avec les fards Juvia, c'est-à-dire que les dégradés
ils peuvent pas être foirés, c'est impossible. Franchement, je comprends pas comment on peut se foirer avec des fards comme ça. Ils sont tellement pigmentés, tellement bien, tellement crémeux, ils s'estompent du tonnerre. Bref. La Tribe, celle-ci que ma maman m'a achetée aux États-Unis aussi. Elle est trop belle. Regardez-moi ça, les teintes vertes. Oh, mamma mia, trop belle. Je tire la tronche à côté, mais en fait, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Ensuite, ma préférée de la marque et ma première, je crois. L'une de mes premières. La Zulu. J'adore le packaging. Et les couleurs, bon, ça se voit. Hein. Veuillez m'excuser, elle est dégueulasse. Mais voilà, elle est ouf celle-ci. Les couleurs, cette couleur que vous l'appliquez sur la paupière, c'est la même. Le verre d'eau là, c'est la même sur la couleur. C'est exactement ça. Donc voilà, celle-ci, elle sera dans mes coups de cœur forever, je crois. Et là, mes deux dernières que j'adore, enfin c'est les premières que j'ai commandées, mais voilà. La Magic Palette, que j'ai kiffée de la mort. Elle est trop belle celle-ci. C'est pas grave. Voilà les fards, énormes. Moi j'ai les grands formats. Je les ai commandés il y a 3-4 ans, un truc comme ça. Magnifique celle-ci. Je la trouve trop belle, la Magic. Et la Masquerade. Alors la Masquerade, elle, ça a été mon coup de cœur numéro 1. Elle est belle. Et ouais, mon gros coup de cœur. Je sais pas pourquoi. Je pense que là, c'était les bleus et les verts qui m'ont... Voilà, qui m'ont appelé, quoi. Vous avez vu ça? Trop belle palette. Trop bien à utiliser. Trop pratique. Très facile. Donc, ouais, voilà. Ensuite, nous allons faire mes dernières, hein, je pense. Enfin, j'ai encore deux marques. Les plus grosses. Voilà, voilà. Donc, Morphe, c'est parti! Ça promet. Enfin, je me speed un peu pour l'heure. Bref, Morphe. Je vais avoir celle-ci. Donc, on est sur la... Il y a le numéro quelque part. Oui, j'ai le doigt dessus. 3502. C'est dans mes premières, celle-ci. Quand je faisais des make-up, des shoots. Voilà, celle-ci, je les en mets tout le temps partout. Vraiment sympa. Ça me fait drôle. Bon, elles sont dans le désordre, pas dans les ordres de sortie, mais c'est pas grave. La Jaclyn Hill. D'ailleurs, j'ai commandé la volume 2 qui va rejoindre sa copine. Donc celle-ci, pareil, énorme coup de cœur que j'avais commandé le jour de sa sortie. Très très belle, tout le monde la connaît. Voilà, je vais vite hein, parce que c'est casse-pied. Ensuite, j'ai celle-ci, la 3503 Fierce by Nature. Alors celle-ci, c'est pareil, avant de l'ouvrir, je sais d'avance ce que vous allez me dire. Mais il y a un vert, il est bizarre, qu'est-ce qu'il fout dans cette palette? Je sais pas moi non plus, mais il est beau. Il est très très beau, donc voilà, très belle palette qui vient rejoindre ma petite collection, j'adore. Ma Icy Fantasy que j'ai voulu de la mort qui tue. Et elle est trop belle. Des belles couleurs néon, pastel. Elle est superbe. Celle-ci, je l'adore, je vous ai fait un tuto avec, c'est ma dernière vidéo. Celle-ci, voilà, je l'aime énormément. Il y en a qu'on aime un peu plus que d'autres, bah celle-ci, elle en fait partie. Ensuite, j'ai la 35M. Oh, celle-ci, je m'en souviens. Qu'est-ce que je l'ai voulu. Qu'est-ce que je l'ai voulu. Voilà. Les teintes un peu violettes, vertes. Trop belle. Rose-rouge. Elle est magnifique, celle-ci. Je l'adore. Ensuite, nous avons dans mes premiers encore 35OS. Oh, celle-ci. Celle-ci, je voulais l'autre en mat et celle-ci tout en irisé. C'est que des fards irisés. En topper, par-dessus ou en combinaison avec des mats. Très belle. C'est marrant de revoir ces vieilles palettes. Celle-ci, ma colorée de chez Morphe, 35U. Regardez-moi ça. Elle est belle quand même. Franchement, elle est vraiment belle. Vous voyez? Très belle couleur pour des prix dérisoires. Ensuite, ça, c'est la dernière que j'ai eue avec la Icy Fantasy. Hit the Light. Elle est trop belle. Elle est magnifique, celle-là. Je ne l'ai pas encore utilisée parce que je l'ai eue la semaine dernière. Il faut que je vous fasse un petit tuto dessus. Je l'adore, elle est trop belle. Packaging de la mort. Chiant à ranger, cela dit, mais packaging de la mort. Trop belle. Ensuite, je vais avoir une de mes préférées aussi de tous les temps, la James Charles. Alors, celle-ci, je l'adore. Voilà. La James Charles, tout le monde la connaît. Moi, j'ai le gros format. Chiant à ranger aussi, mais trop belle. Voilà. Bijou, elle est trop belle. Ma pile, elle commence à bien monter là. La Dare to Create 39A. Ouais, 39A, celle-ci. Carrément belle aussi. Pouah, je l'avais adorée celle-là. Plus neutre en teinte, mais trop jolie. Vraiment très belle.
Et là, ma dernière, que je voulais pas en plus, mais quand je l'ai vue à Londres, je me suis dit, ok, j'en peux plus. C'est la 39S dans les teintes rose, violette. Et ben, je la surkiffe. Je l'adore de fou. J'adore. Ça va bien avec mes nouveaux cheveux. J'adore. Ouais, celle-ci, vraiment, je l'adore beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, et là on va terminer avec le Vault de Jaclyn Hill. Donc je vais pas vous montrer les palettes parce qu'on les connaît bien. Hein. Le petit Vault, donc moi j'ai les 4. Très joli aussi. Et là ma dernière marque. Et je sais pas pourquoi je termine tout le temps par ça parce que c'est ma marque. Bref, tout le monde connaît. Jeffree Star. Hey, how are ya? La Thirsty. Donc celle-ci elle est sortie il y a quelques temps. Je l'ai bien utilisée aussi celle-là, elle est très très belle, les couleurs me plaisent beaucoup. Voilà, très très belle palette. De toute façon les Jeffree Star, je vais me répéter, mais elles sont toutes très très belles en fait. Toutes. Donc la question se pose même plus. La Blue Blood, alors celle-ci, mon dieu, qu'est-ce que je l'ai voulu. Parce que je suis une dingo des teintes bleues et là, bah, voilà, vous êtes servie quoi. Oh, regardez-moi ça, punaise. Quand je l'ouvre, j'aime trop. Oh. Qu'elle est belle. Elle est belle. Celle-ci, donc il y a sa copine, la Blood Sugar. Donc celle-ci, à l'inverse, comme le packaging l'indique, on est dans les teintes rose-rouge. Il fait des packagings de la mort, ce type, c'est incroyable. Voilà, teinte rouge-rose-violette. Trop belle aussi celle-là. Elle a pas morphé depuis que je l'ai eue. Ensuite, nous avons la Mini Breaker. Alors, celle-ci est trop mignonne. Je la voulais pas au début, mais j'adore. Mais je l'adore. Elle a des super belles teintes, hyper colorées. Voilà, c'est Jeffree. Je peux pas lui refuser quoi que ce soit. Ma préférée, ma number one de 2019, puis peut-être même de 2020 encore, la Joe Breaker. Alors, celle-ci, je tombe amoureuse à nouveau quand je la vois. Voilà, la plus belle palette de l'univers à mes yeux. Je la trouve incroyablement magnifique. Je le répète à chaque fois. Je vais arrêter parce que je vais vous saouler. Je l'adore celle-ci. La Alien, que j'aime beaucoup. Elle est hyper originale celle-ci et je suis trop contente de l'avoir. On a des super belles teintes. Très très belles. Vert, gris, trop joli. Des jaunes un peu bizarres, moutarde, trop beau. Elle est trop belle celle-ci. La toute première que j'ai eue de sa marque et qui m'a donné voilà, un amour inconditionnel pour ce type, la Beauty Killer. Donc celle-ci, pareil, les couleurs sont trop belles, hein, franchement. Le bleu et le rose, là, ouf, oufissime. Celui-là est très très beau aussi, j'adore. Ensuite, j'ai acheté sa copine, la Androgynie, il fallait bien qu'elle aille avec. Alors là, le kaki et le bleu canard, s'il vous plaît, trop beau. Elle est très automnale, cette palette. Moi, je l'adore. Et la petite dernière que je me suis prise, en collab avec Morphe, celle-ci. Pareil, je la trouve trop belle. Et là, vous allez vous dire, mais Marie, il te manque la Conspiracy. Oui. Je l'ai toujours pas eue. Je me demande si je l'aurai un jour, tellement elle est en rupture depuis le mois d'octobre, je crois, quand elle est sortie. Je travaillais ce jour-là, j'ai pas pu me la commander. Donc, j'ai grave les boules. J'espère qu'elle va revenir en stock, parce que là... Bon, je suis un peu désespérée quoi. Voilà. Et il y a la dernière, la Bloodlust, celle-ci que je veux. Voilà, la boîte un peu violette là. Je la veux, mais vraiment je le sais, je la veux et je l'aurai. D'ailleurs elle sort jeudi prochain. Donc voilà, celle-ci, c'est sûr qu'elle va rentrer dans ma collection. Bon, voilà, je revérifie, je crois que j'ai tout fait les copains. Je crois que j'ai tout fait. Donc là, il y a un bazar monstrueux devant moi. Vous voyez pas, mais je vais bien m'éclater à ranger. Fait chier. Mais bon voilà, je vous ai fait cette petite vidéo, ça m'a fait super plaisir de la faire parce que ben, je redécouvre des palettes mine de rien qui étaient rangées et que j'ai un peu zappé, tristement, mais voilà, c'est un fait. Donc je sais pas combien on est, mais voilà, en refaisant le montage de ma vidéo, ben, je vous mettrai le total ici. Je sais d'avance que j'ai honte. Mais voilà, c'est mon métier encore une fois, je déculpabilise en me disant ça. Et encore, c'est sans compter les palettes de pour le teint, parce que là aussi, il y a un sacré paquet. Je vous ferai peut-être une vidéo spéciale palette de teint. Voilà, voilà. Bref.
bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des palettes que vous aimez ou à l'inverse que vous n'aimez pas du tout là-dedans, ça me fera plaisir de le savoir. Voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut les copains.